Et bonjour Internet, bonjour des camarades, c'est Casamania, j'espère que vous avez de la forme, la pêche, la patate les amis, je vous retrouve sur Urban Empire, suite de cette petite série découverte de ce jeu super cool. Donc si vous posez la question quel est ce jeu, n'hésitez pas à voir l'épisode 1, hein, je vous explique comment ça marche. Si vous voulez l'acheter, suivez le lien hein, sous la vidéo, un Sound Gaming, le partenaire de la chaîne, vous trouvez le jeu à un prix cassé. Alors, nous sommes dans l'ère 2, nous sommes en 1874, si je ne dis pas de bêtises, et on nous demande quelque chose. L'essor du romantisme d'État dans toute Europe force l'administration de votre ville à prendre une décision. Quel sera votre modèle pour l'université qui sera prochainement construite? L'Empire autrichien, la Grèce antique ou le folklore? On va mettre plutôt le folklore sbarélien. Du coup, je gagne plein de points avec les autonomistes et les indépendantistes. Ok. Voilà. Modifier des impôts. Ah oui, on avait demandé une augmentation des impôts pour les classes. Pour un peu tout le monde. Pour un peu tout le monde. Bon, on est bon là, on a assez de soutien, on va commencer le vote. Ok, c'est parti, ça. On gagne des sous. Zou. Voilà. Alors, tant qu'on y est. Tant qu'on y est. On disait qu'on voulait mettre un poste de police ici, à l'enclume. Ça peut être bien. Ça peut être même très bien. Donc, on va aller dans modifier le quartier. La densité, elle est comme elle est bien. Ah putain, il manque le réseau gazier là-dedans. Comment ça coûte? 250 000 et 13 000 par mois. On va la... On va désactiver, on va déjà mettre le... On va déjà mettre le... Le poste de police. 600 000. 28 000 par an, j'ai pas assez. Faut pas déconner, j'ai pas assez. Pour le moment, j'ai pas assez. Parti indépendantiste. Svarélien remporte les élections suivi du parti autonomiste. Allez donc. Découverte des plus anciens vestiges humains. Les découvertes de l'homme de Cro-Magnon devraient permettre de mieux comprendre l'évolution physique et culturelle de l'homme. Nous sommes en 79. Hein. Inauguration du Beyrouth Festival Ous. Le théâtre de Beyrouth innove avec sa fosse d'orchestre placée dans le niveau du sol, ce qui pourrait changer la phase de la musique lyrique dans le monde. Ok. Ok, ok, ok. Bon, on va créer encore un nouveau quartier avec mes fonds propres, avec une densité commerciale et industrielle plus forte. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va faire notre nouveau quartier. On va le faire en réseau dense. On va le faire. On va le cacher ici. Ça sera un quartier plus. Genre commercial et industriel. Tu vois le truc? Est-ce que je peux faire un truc un peu comme ça? Forme de quartier trop petite, forme de quartier impossible. Bon, impossible. C'est si impossible que ça? Ou c'est trop petit? Non, c'est impossible, d'accord. Ah, trop petite, c'est plus impossible, c'est trop petit maintenant. Forme de quartier impossible. Oh, fais ma gueule. Ah là, ça y va là. Bon, ça sera mon quartier. Mon quartier moche. Voilà, comme ça. Ok. Réseau dense ou réseau éparse? Plutôt réseau. Par défaut. Oh, dense. 250 000, on va prendre mes fonds propres et 30 000 par mois. Segmentation, vous pouvez maintenant changer la segmentation de votre quartier. Vous devriez faire en sorte de modifier les segmentations selon la demande. Ok. Donc, j'ai beaucoup de demandes en commerce et industrie. Donc, on va mettre 40% en industrie, 20% en commerce. Il me descend tout, cet enfoiré. Voilà. Voilà, 40, 40, 20 et les autres en normal. On va laisser ça comme ça, on va pas mettre d'infrastructure pour le moment, on va pas mettre de service, on va le proposer, on va l'appeler. On va l'appeler quartier corridor, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça va bien. Corridor, bon on va appeler le... On va appeler corridor, voilà. Parce qu'il est tout en longueur. Putain, je suis trop poète. Et je vais utiliser mes fonds propres. Hop, voilà. Ok. Donc, ça y est, c'est créé. Il n'y a plus qu'à attendre que les gens s'installent. Et très rapidement. Pour pouvoir gagner des revenus. Des impôts.
Sélectionner une nouvelle invention. Accéder à l'arbre de technologie, choisir une nouvelle invention. Ah, je peux encore trouver une nouvelle invention? Parce qu'il y en a déjà une qui est en cours de recherche. Bon, on dirait que oui. Donc, l'air 2. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ça serait bien, non? Droit de représentation. Je n'en sais rien, le droit de l'homme ou ceux de la femme. Les droits de l'homme sont les seuls que je connaisse. Loi sur les moyens de subsistance, droit des femmes, vote à bulletin secret, édition de livres, etc. etc. C'est pas mal, c'est progressiste. Ok, c'est parti. Vous avez dévoyé la possibilité d'espionner les parties. Espionner permet de recueillir des informations pour compromettantes que les parties aimeraient mieux garder secrètes. Vous pouvez utiliser ces informations pour faire pression. Une utilisation agressive d'informations complémentaires peut vous coûter une partie de votre reconnaissance auprès des parties conseillées. Alors on va essayer. Ouvrir la fenêtre du parti du conseil. Choisir le parti espionné. Bon, les physiocrates. Allez hop. Ils sont avec nous depuis un certain temps, mais on va faire espionner. Votre assistante fouille un peu partout. Avec de la chance, il trouvera quelque chose d'important. Si cela survient, vous en serez averti. Ok, ça marche. 20 000 pour espionner avec mes fronts propres. Allez, c'est parti. Ah, les techniques communistes, hein. Ah, je vous jure. Ok. Donc, on a pas mal. Ça commence à être bien grand chez nous. Et je voulais faire aussi un endroit un peu de luxe ici, là. Avec des magasins. Donc, je vais refaire encore notre quartier. Avec un réseau. En résonance de magasins. Un truc vraiment qu'avec des habitations et du commerce. Industrie, on va mettre que 10% d'industrie. Oula. 62. Ouais, 60%. 60%. 5 60 et le reste. Voilà, 36-65. 35-65. Ok, c'est parti. Et on va demander à voter la création de ce quartier. Et tout le monde est content, tout le monde est pour, très bien. Ah bah, j'ai oublié de le nommer. On changera son nom juste après. Colère divine, oh, attention. Quelle que soit votre proposition, vous pouvez avoir la certitude que Simon von Spigen s'y opposera. Il prétend que le handicap mental de votre fils est le prix que vous avez dû payer au diable pour gravir l'échelon social et devenir maire. Et que c'est par peur du diable que les autres sont prêts à soutenir vos propositions. D'habitude, vous ignorez ces élucubrations. Le jour où vous avez appris que votre femme était de nouveau enceinte, vous avez perdu vos nerfs pour la première fois. Même si vous savez que vous allez le regretter, que lui répondez-vous? J'ai bien du mal à prendre vos accusations au sérieux. Toute la salle du conseil explose de rire, tandis que le visage de Simon devient rouge de colère. Quelqu'un le fait remarquer et les rires reprennent de plus belle. Très bien, vous avez gagné cette manche qu'il canonne, dit-il en partant. N'oubliez pas d'emmener vos sbires avec vous. Hurlez-vous derrière lui. Par la suite, vous vous en voulez un peu de vous être comporté de la sorte. Vous avez remarqué que ça a amélioré votre cote auprès de certains membres du conseil. Plus 4 en monde. Plus 2 avec les autonomistes. Moins 5 avec le parti chrétien-démocrate. Moins 5 avec les physiocratiques. Ah bah mais bon, on peut pas être bien avec tout le monde, merde. Allez, on part sur la création de nouveau quartier, faudra que je le rename. Bon, on est pas mal là. Je pense qu'après on va arrêter de construire des quartiers, on va surtout les booster. Augmenter la densité, tout ça. Nous sommes 5000 habitants. Hein. C'est pas mal. Hein. Les revenus commencent à être pas mal aussi. Allez, le quartier va bientôt être créé. J'espère que ça va attirer beaucoup de monde. Nous sommes en 1881. Et ensuite, il va falloir se concentrer sur... Je ferais bien quand même un poste de police ici. Hein. Depuis le temps que je le dis. On va pouvoir le créer, je pense, bientôt. Allez, nouveau quartier. Votage. C'est bien parti. C'est même très très bien parti. Allez-y, le quartier est créé. Hop, attention, on va le rename. Modifier, hop, renommer, c'est ici. Alors, on va appeler...
On va l'appeler comme ça, le quartier d'or. Parce que c'est l'endroit où il y a les magasins. Moi, je trouve que ça peut être quartier d'or, non? Ouais, quartier d'or. Oh putain, je suis trop fort. Oh, je suis trop un poète, franchement, non? Allez, quartier d'or, c'est parti. On va en profiter pour augmenter les impôts. On va profiter pour augmenter les impôts des entreprises encore un peu. Voilà. Et augmenter. Non, on est bien là. Et diminuer. Non, on va laisser ça comme ça. 22% sur les entreprises. C'est fait. Alors, financer les services, on va faire en sorte de se financer un peu plus. Voilà, je pense qu'ils sont tous à peu près d'accord. On va même aller jusqu'au bout, hein. Non, on va faire par étapes, hein, sinon on va s'exciter les mecs, c'est pas la peine. Ok. Est-ce que j'ai des décrets intéressants à passer? J'ai toujours le truc des anesthésiants qui passe pas, hein. Non, ils sont encore loin d'être prêts pour ça, donc tant pis. On va être bon là, on va être pas mal niveau sous. On va essayer de faire en sorte de construire, donc on a dit un commissariat ici. Alors, commissariat. Poste de police. Oups. Voilà, poste de police. Je vais le mettre en plein milieu là, c'est pas mal. Allez! Confirmé. On va proposer la création d'un poste de police. Ils sont tous pour, apparemment. Bon, on est pas mal là. On est pas mal du tout. On va être positif partout. On va attendre que le temps passe un peu. On commence à avoir une sacrée ville. Hein. Il faut que ça se remplisse ici, le quartier commercial, les amis. Ouais, ça pète, ça pète. Ça pète, ça pète, ça pète. Faire un petit tour de la map. Ça pète. Alors, modifier le quartier, c'était pour ajouter commissariat. Ça va passer easy. Tout le monde me suit. À part 5 cons, 6 cons, 7 cons. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Alors, changement de financement, c'est pour me rajouter mais des fonds propres pour le maire. Ils sont tous... j'ai des gros soutiens, sauf des autonomistes. Vous faites chier, les mecs. Alors, je suis bien suivi par les indépendantistes. Hein. Hop, moté les impôts. Alors là, on va se battre. Ah, c'est Cyril. On va laisser la botte faire. On va gagner une voix. On va gagner. Ok, on va faire un petit tour un peu des partis politiques, voir où on en est. Alors, les 60, toujours 61 personnes, nous avons donc 22, 9 envers, soutien d'euros, décret important, ok, les valeurs du parti indépendantiste, c'est l'éducation, la discipline, alors, ok. Soutien à parti dans la ville, indépendantiste, c'est en premier. Ensuite, les autonomistes. Alors, on est aux autonomistes, ils sont à 26%. Ils sont 16, disciplines, valeur du parti, l'éducation aussi. Décret important, association, témoignage devant tribunal, conditions de travail, soutien, neutre, neutre, ok, reconnaissance 5. Ensuite, nous avons le parti physiocratique qui a un peu chuté depuis le début, pour des politiques de gauche. Discipline, valeur, la santé, décret important, le travail, hostile envers les libéraux. Et enfin, les libéraux, démocrates, sécurité. Ok, ok, bon. On s'entend tous plutôt, on se met tous de concert pour faire une ville plus... Ah, on est très bien, 3, 4, 4, 2, 7, 1, 1, moins 1, ok. Est-ce qu'on pourrait financer un peu plus le théâtre afin d'avoir
On va regarder un peu les financements là. Si on pourrait booster par exemple le théâtre. Si on pouvait toucher un peu plus de monde. Je gagne plus 14 pour à peu près tout le monde. Ouais, moi je trouve c'est bien, mais ça va coûter cher. Mais il faut proposer financement, il faut que les gens puissent sortir et s'éduquer et se faire plaisir. Et là on va être méga bien. Oh, le super cette ville, franchement c'est. C'est la ville. Tout le monde voudrait vivre ici, non? Et là on va être très bien. On va être même très très bien. Tellement bien qu'on sera plus que bien. Ok, demande commerciale toujours, industrielle toujours. Il y a de la place ici, les amis. On va attendre que le truc pour théâtre passe. Et ensuite, on va continuer de booster nos quartiers. Donc, on était parti sur. C'est l'enclume qu'il fallait qu'on booste, hein, très rapidement. Et on regardera un petit peu si on peut augmenter aussi le financement de l'école. Ça peut être bien. Parce que là, je suis à zéro. Non, pour l'instant, je suis à zéro, ça va alors. On verra après. Ok, financement pour le théâtre, ça va le faire. Bien, 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 bien. Zou, 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 zou. Est-ce qu'on a des décrets intéressants à passer? Toujours pas. Ok, attention, par contre, on va rentrer dans les finances là. On va passer de 89 à 67. Bon, oh, ça va. Divertissement moyen de la ville n'a pas encore augmenté, mais ça va augmenter gentiment. On voulait voir un petit peu les écoles aussi. Financement des écoles. Financer les services. Police en deux, clinique, école. Ou alors, non, on va garder nos sous plutôt pour mettre une. J'aimerais bien foutre une université ici, moi. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien. Alors, on va déjà en mettre le réseau gazier à ces gens-là. Ça va le faire. Le réseau d'eau aussi. Ça va le faire. On est à 1000 000. Ok, tout ça, ça le fait. On va mettre l'éclairage dans la foulée. Et les égouts dans la foulée. Alors, gros investissement. Ok, et enfin. Ah, école professionnelle. Alors, on va essayer de passer ça, mais ça va faire un gros trou dans les. Ça va faire un méga gros trou. Alors, je pense pas que. On va essayer. Hein. Là, on sera vraiment top du top. Ça va nous coûter très cher, mais c'est des investissements pour l'avenir. Ce sont des investissements pour l'avenir. Moi, j'y crois. Et on va faire une société avec des gens bien éduqués. Bonne éducation. Par contre, on commence à manquer de place pour l'industrie. On a une grosse demande industrielle. J'aimerais bien avoir un quartier spécialement fait pour l'industrie ici au sud là. Mais écoutez, on va faire. On peut pas encore créer de quartier, mais on va s'en occuper très rapidement. Création d'un nouveau quartier spécialement fait avec une grosse part de l'industrie. Championnat d'athlétisme. Les championnats d'athlétisme de Svareli se tiendront dans 6 mois. Kaiserhafen compte de nombreux athlètes capables de participer également, qu'elle est offerte pour les soutenir. Eh ben, on va les soutenir, ça nous coûte 500 000. On les soutient. L'équipe de Kaiserhafen a participé au championnat d'athlétisme de Svareli grâce à son entraînement rigoureux et au généreux soutien de la ville. Les athlètes ont remporté plusieurs médailles d'or. Toute la ville est enthousiasme. On gagne plus d'eau en divertissement. Yeah. Bien, bien, bien. Ah, par contre, le théâtre, ça me suce des sous, mais ça me fait pas monter, hein. Allez, on va améliorer. Oh, ça va passer tranquille. Le votage pour améliorer le quartier de l'enclume. C'est bon ça. Alors attention, trou à moins 100 000. C'est pas grave, ça va remonter vite. On a université, ça c'est bon ça. Zou, voilà. On va attendre que ça remonte un petit peu. Et il faut qu'on prévoie une demande. Un endroit pour nos industries, ou est-ce qu'on upgrade? On va déjà. Non, on va upgrader les quartiers, je pense. Ce serait plus intelligent. Voilà, les gens ici, ils ont de quoi. Ils sont pas mal. On a tous ces quartiers qui sont cool. Donc, le quartier d'or et le quartier corridor qu'il faut qu'on mette en avant cette fois-ci. Moins 1 en bonheur, vie sociale. Ah.
la vie sociale est passée à moi, hein. Fait chier ça. Passer de bistrot les mecs ou quoi? Alors attention, on perd des sous. 15 000 par mois. Comment ça se fait? 17 000, hein, ça remonte. Allez, on va upgrader le corridor. Ou pas. 40-20-40, ce serait bien. Pour la demande industrielle. Modifier le quartier. La densité. On va le passer en moyenne. Ah, ça coûte beaucoup trop cher, donc personne ne va voter pour ça. J'ai compris. Ok, ils sont pas prêts. Personne n'est prêt à faire quoi que ce soit. On va attendre que ça se tasse un peu. Ah, j'ai vraiment une grosse demande industrielle. Hein. C'est vraiment corridor qu'il faut que j'upgrade. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je refais un quartier spécial industrie. Le parti indépendantiste, Zvarelia, remporte les élections. Le parti autonomiste arrive second. Le film Salut à l'Empereur déclenche des paniques dans les salles de cinéma. De nombreux spectateurs paniquent en voyant un empereur de 3 mètres de haut marcher vers eux dans un nouveau film. Les Terramars et les Ligures sont en fait Zvareliens. Deux célèbres sculptures proto-historiques se sont en fait développées sur le territoire de Zvareli. Ok. Aïe 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 aïe. Allez, on va créer un nouveau quartier. Spécial. On va faire par défaut spécial industrie. Trop petite. Ah, ça le faisait là. Là, il y a un endroit où ça le fait, là. On dit que c'est impossible. Fais chier. Comme ça. C'est le pays. Non, ils sont pas prêts, les mecs. Regardez, là, quand tu vois la boussole des décisions. Droit de représentation. Un décret qui augmente les revenus des femmes âgées, l'identité de votants sera désormais confidentielle, édition de livres, tribunal, droit des femmes, barrière à la classe précaire, permis de retirer les droits de vote aux places critères, très bien ça. Officine légale. Ok, on va pouvoir donc chercher d'autres technologies. La combustion, l'électricité. L'électricité, je pense que c'est très important. Allez, l'électricité. Lampadaire électrique, réseau électrique, transport public gratuit, tramway, centrale. Bon, non, pas, c'est pas encore tout de suite. Commutation, communication. Ah, allez, plutôt communication, c'est parti. Alors, droit de représentation. La société est devenue si complexe qu'elle est devenue impossible de donner une éducation uniquement aux élites. Mais plus les gens normaux sont éduqués, plus ils ont leur mot à dire sur les questions liées à leur quotidien. Les droits de représentation sont devenus un sujet brûlant. L'administration de votre ville essaie désormais de prédire la réponse qu'elle devra donner à ses citoyens. Les scrutins doivent être secrets. Les femmes doivent avoir leur mot à dire. Seuls les gens éclairés doivent avoir le droit de vote. On va dire les femmes doivent aussi avoir leur mot à dire. Allez, décret pour le vote des femmes. Droit des femmes aux élections. Attention. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ah oui. Quand même. Merde, on n'est pas des sauvages. Voilà. Très bien. Super. Ça, c'est bon, ça. Alors, on a plein de décrets à passer, là. Intéressant, je pense. Décret. Qu'est-ce qu'on pourrait passer? Ok, le vote à bulletin secret. Faire en sorte que tout le monde puisse voter. Secrètement. On va passer un décret. Barrière à la classe précaire. Faire en sorte que... Non. Limiter les droits des wagons. Non, bah non, bah non. Ça, c'est barrière. Non, je vais pas aller mettre une barrière aux classes précaires. Non. Moyen de subsistance. Comme ce sont les hommes qui font vivre leur famille, les veuves sont souvent contraintes de mendier pour survivre. Ah bah ouais, on va aider les gens, merde, putain. Pas des sauvages non plus. Ok, ah putain, il me faut un atelier aussi. Faudrait que je crée un atelier. Je
faudrait que je crée un atelier quelque part. Au corridor, je peux mettre un atelier, comment ça coûte? Ça pourra créer un peu d'emploi. Allez, on va mettre un atelier. Ah non, bah plutôt... plutôt le... je sais pas. Non, bah non, en fait. Non. Je vois pas trop les avantages de ce truc-là, à part m'apporter des emmerdes. Ok. Bon, niveau revenu, on n'est pas fait bien, là. Franchement. Bon, on va attendre que les choses se tassent tranquillement. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour la suite de ce jeu. Gros bisous, c'était Kaz, à la prochaine. Bye.